Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on avait fait? Oui, on avait prévu de prendre les territoires de l'Est du Moyen-Orient. Et j'avais commencé par Kalat. Ok. Non, j'avais commencé par Mara, je crois, le sud du Balouchistan. Et là, on va passer à Kala. Ok. Je profite que bon, pas que ça lance la conquête pour checker un coup le marché. Ouais. Ah, vraiment, j'ai l'impression que plus j'en fais, plus on a besoin. Ok. Je vais refaire du charbon, enfin tout ce qui est minier. Grosso modo, ouais, c'est ça, tout ce qui est minier. Donc charbon, fer. Du bois avec. Ouf, le soufre pas ouf hein. Ouais, le soufre j'ai pas beaucoup de mines dispo. Je vais faire du bois. Moi, le bon côté du bois, c'est que ça donne un peu de travail un peu partout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'emplacements différents de bois, mais il n'y a pas beaucoup de gros niveaux de production. Voilà. Je suis pas sûr d'avoir vu une fois un niveau 20, là, on a 18 par exemple, mais. Pas plus que ça. Oh, révolution! C'est le Cherokee. Cherokee. Le Kocham. Orthodoxe. Oh! Ça bouge par là-bas. Ah oui, ok. J'ai bien envie d'aider Louélo. Je vais aider Louélo comme ça. Comme ça, il sera unifié. Et quand j'aurai à le prendre, ce sera plus simple. Il y aura plus de territoire à lui, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Surtout que ça va pas me gêner parce que le Kalat il va. Ça va pas me gêner beaucoup parce que le temps que je conquis le Kalat. Le Kalat, je ne sais pas.
Ok. Alors vraiment les aider à fond. Bon, ils vont pas pouvoir faire grand chose en vrai. Incertain, tu m'étonnes. Là, disons que c'est un investissement de temps à long terme. Ça va m'en faire perdre un petit peu sur le moment. Mais à long terme, ça va être. Ça va être une bonne chose. Il va unifier tout ça pour moi. J'aurai rien à faire. Là, c'est en train de se finir tranquillou bilou. Prix du marché, c'est un petit peu baissé. Ouais, tout ça. L'acier, il est parfait en prod. Ah, j'en produis beaucoup trop des automobiles là. D'ailleurs, c'est consommé par quoi? Je sais que c'est consommé un peu par mes armées. Consommation du groupe social. Pas beaucoup, hein. Ingénieur, bureaucrate, machiniste, ouvrier. Ok. Là, on y arrive bientôt. C'est là qu'ils vont commencer à réfléchir, à se dire, c'est pas ouf en fait. Déclarent leur neutralité, ils ont tout compris. Oui, ils font pas les bêtises, les mêmes bêtises. C'est vrai que là-bas aussi, là, le Brésil. Apparemment, ils arrivent à. Le Brésil arrive à gagner sur le. Sur le Brésil communiste. Ils ont perdu leur capital. Yes. J'en ai beaucoup. Oh, 24. Je peux construire 24 nouvelles plateformes. Parfait. Ok, là on commence. Ça va être. Je pense que ça va être rapide, j'espère. On attaque sur tous les fronts possibles, on a des armées qui sont beaucoup mieux équipées en normalement. Je dis ça mais. Ouais. Ouais, si, si, bah oui. Quelques troupes conscrites, mais. Mais ouais, on leur pique un peu quoi. Ce sont les troupes de base, je crois qu'ils ont. Ça doit être l'infanterie régulière. Ah oui, non, ça en touche pas. Ok, le tigré, c'est bientôt bon. Là, ça devrait être bon aussi. Ah, il a envoyé tout le monde là-bas, lui. Ok, pour le cas là, c'est bientôt terminé. Ça me donnera l'ensemble du Balochistan. Ça construit bien en Inde. Hein. Ça construit même vraiment pas mal. On est sur Niger. Loyo.
Oh là là, c'est terrible ça. Un peu plus lent que ce que je pensais quand même. Plus 25 de capacité d'imposition. C'est bien ça. Poser l'accord de paix ici, c'est signé. Voilà, je vais m'occuper de ça pendant que c'est en train de conquérir. Hop là, même pas besoin de. Non, l'incorporation c'était déjà faite avant. Voilà. Ce qui fait que c'est pas mal là, on a un bon passage. Je vais voir si c'est des provinces uniques, provinces uniques. Province unique. Ah, pas province unique. Ah non, pas province unique du tout même. Ici, ouais. Là, c'est double province, double province. Ok. C'était eux qu'il fallait les chercher. On n'a plus de trait en plus. Oui, parce qu'ils ont fait une révolution à l'épisode d'avant. Et ça, c'est embêtant. Ok. Oh, mais qu'est-ce qu'ils foutent tout cela? Vous avez un front gratuit, les gars, utilisez-le. Mama. Faut tout leur dire. Ouais, ça vite, hein. Forcément, j'ai des pertes de l'attrition, normalement. Putain, en avoir un paquet en vrai. Attrition, ouais, c'est ça. Bataille, pas tant que ça, mais l'attrition, ça fait mal. Ok, j'ai un politicien des euros qui se retire, ça c'est cool. Là, il n'y a plus de défense. Alors ça se fait, j'ai deux fronts ouverts. Ah, le tigré, ok, ils en ont encore. Ils en ont encore sous le coude. Ça me va. Soulève mon paysan Oyo. Ça pourrait être sympa de faire. Ouais, mais non, mais c'est trop compliqué. Bah. J'allais dire de faire une partie avec. Uniquement enfin en donnant le pouvoir aux ruraux, en soutenant que les ruraux, mais c'était compliqué parce que très vite bah forcément tu dois avoir des usines, etc. Sinon ça la partie va être bah, en fait tu te développes pas quoi. Alors tu sais bien, tu développes ta production, tes terres, etc. Peut-être que t'as de la revente, etc. Mais si un mec décide de conquérir tes territoires, t'as rien en fait. Ou alors t'importes tout. Ou alors tu te fais très bien voir diplomatiquement et t'importes tout. Mais ça peut être viable, mais compliqué. Puis il faut vendre des ressources de luxe, genre tout ce qui est opium, etc. Typiquement, c'est une sorte de ce serait une sorte de gameplay, par exemple avec la Compagnie des Indes Orientales. Tu pars de la couronne, c'est pas trop comment. Mais tu continues à importer tout ce que la couronne produit quoi. Autant dire, c'est pas simple tous les jours. Ok, bon leur capitale est tombée. On peut voir. Il y a un petit morceau qui résiste encore. Toujours l'envahisseur. C'est le village d'Astérix, mais en Éthiopie. Enfin, dans les territoires éthiopiens. Je sais pas comment ça s'appelle. Moria. Oromia. Amra. Amara. Welo. Gondar. Ouais.
Code Jam. Ah, je suis con. On arrive, on arrive. J'aurais dû, j'aurais dû. Ok, ça c'est fait. Ah ouais, c'était la formation de l'Éthiopie. Nice. Ça c'est bien ça. Bon, il reste quand même un petit morceau de territoire là. Ce serait bien qu'il conquérisse le reste. Ok. Alors, je vais juste hop, annexer ici. Voilà, comme je l'avais vu avant. Essayer de le récupérer avant qu'il refasse une révolution ou un truc semblable. Comme avec l'état du Casimir, là, j'avais récupéré une portion du Yémen. Ça, c'est l'Yémen aussi ou c'est autre chose? Non. C'est le Lège. Ah non, état divisé, Yémen, voilà, on est d'accord. Yémen, Yémen, Yémen. Oh putain, j'ai regardé depuis tout à l'heure, je regardais pas au bon endroit en plus. Ah là, ok, c'est en train de faire les mines de soufre que j'avais prévues tout à l'heure. Cool. Production de construction inutilisée. Ouais. Après, oh ça c'est bien par contre. État avec agitation, j'en ai plus que 4. Ça change des... Je ne sais pas combien de dizaines que j'avais à un moment. C'est vrai qu'à un moment, bah, ils étaient pas tous contents, quoi. Mais ça se voit, même au... j'ai 1% de radicaux. C'est propre. Et on va relancer des... comme on voit, on peut... je suis en train de relancer un peu tout ce qui est voie ferrée. Est-ce que ça construit Mais les voies ferrées ne suivent pas. Je suis en Lombardie. Sud-Tirol. Ah et voilà, ouais, forcément ici. Et Héré-Rolande. Ok. J'ai grosso merdo 120, 130 000 personnes qui ne travaillent pas. Paysans ou sans emploi. Donc j'ai encore pas mal de main-d'œuvre. 130 millions, pardon. 120 ou 130 millions. Peut-être oublier un zéro aussi dans le coin là. En tâche, je veux dire. Donc clairement, il y a de la main-d'œuvre, il y a du travail à donner. Il n'y a pas un truc, à dire simple. Que je peux construire. Par contre, c'est fou. En même temps, tu m'étonnes, je produis tellement de charbon. Parce que je me disais, c'est bizarre, j'en refais, j'en refais, j'en fais, j'en fais, j'en refais encore. Ah. Le Maroc, sérieux? Ils m'ont pas embêté toute la partie. C'est fou. Il se réveille maintenant, quoi. Ok.
capitaliste marocain, et là ils sont sultanat, ouais, ça comprend aussi. Ouais, donc je disais, ok, je vois, j'arrive à baisser un petit peu, enfin ça, le pourcentage de prix de marché ne baisse pas énormément. Bon, en fait, vu que 8% c'est peut-être 16 000 productions, je comprends aussi, je comprends qu'il faille faire beaucoup beaucoup de mines pour pallier le manque. Voilà, ça devrait être bon. Enfin, pour le charbon, ça devrait être bon pendant un an. Alors, c'est moi où j'avais vu? Non, non, j'ai mal vu. C'est vrai. Plantation de caoutchouc, ça peut toujours me servir. Et le bois. Pareil, le bois, hein. Oh, 29. Oh, c'est rare d'avoir une région qui peut produire autant de bois. Un 3, pareil. Eh bien, tout à l'heure je trouvais pas les 20 et plus, mais là je les trouve. C'est parfait. Ok, là on a fini de coloniser cet endroit-là. Ok, donc la colonisation est finie. On pourra retourner sur les Anglais. Là, c'est presque fini. Ouais. Ouais, c'est vrai, ils ont zéro troupe. Ouais. Là, ça va arriver, mais bon, tranquille au bilou, quoi. En annexe. Je sais même pas s'ils ont vraiment quelque chose d'intéressant ou pas, hein, sur ce territoire. Quai de pêche. Ils ont même pas un peu de pétrole, quoi. Ah, mais ça fait pas partie du... Ouais, c'est ça, ça fait partie de cette province du Hai. Ouais, toujours pas de pétrole. Bon, à mon avis, il y en a. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé. Hein. Là, j'ai une dizaine de jours avant l'arrivée. Bientôt monte à 3 milliards de PIB. C'est pas mal. 3 nouveaux milliards de PIB. Équivalent au moins 6 milliards de l'ancien, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah. 21 puits de pétrole, je prends. Ah, là c'est bien, là ça utilise bien la construction. Et là quand on construit à fond, on voit qu'on est toujours en solde positif. Bon. Avec un palier de taxes pas spécialement majoré, mais c'est toujours ça de fait. Est-ce que je peux toujours pas monter le niveau de santé au max, hein? C'est terrible ça. Alors. Ah, c'est parce que j'ai pas la bureaucratie nécessaire. Mais là, c'est bon, je pouvais le faire. Ah, zut. On va augmenter à Brandebourg. On est pas à ça près, hein. Il y a des bureaucrates ici, comment ils embauchent? Oh, c'est pas tant que ça. 39, 43, 43 000. Ils embauchent 43 000 ouvriers, ça va. Oula, alors pas 60, on va juste en faire 50. Oh bon. Qui êtes-vous? Voilà. Et là,
faire un petit débarquement, je pense, pour accélérer tout ça, en Maroc inférieur et à Marrakech. Je suppose qu'ils ont pris Marrakech comme capitale. Ouais. On a combien? Oh oui, tout bientôt. Hop. Ah, j'ai perdu un amiral. Alors, invasion navale. Hop. Hop, pas besoin de prendre de. Pas besoin de prendre de gros bataillons. Enfin, de grosses armées. Voilà. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Et je vais recruter un amiral. Je vois mal. C'est bizarre, j'étais persuadé d'en avoir un peu plus quand même. Industriel. Bah non. Ah, il monte, il remonte les salauds. Par contre, ouais, j'étais persuadé d'en avoir un peu plus. Ah, moins que ça se partageait avec. Ah non, même pas, ok. Bon. Plus d'influence, plus en puissance. Ok, pourquoi pas. La techno en plus, ça me va. Là, qu'est-ce que ça donne? Non, toujours pas. Issue. Ils doivent être bien armés, hein. Ouais, pas tant que ça, ils ont pas profité de mon marché. Ah, ouais, ils ont dû régresser. Je pense qu'ils. Ah oui, non, c'est mes alliés, ça. Ce sont mes alliés. En fait, ils ont dû régresser dans le sens où, vu qu'ils ont plus accès à mon marché, bah, ça leur donne des malus. Ils ont plus accès à ce qu'il faut. Par exemple, les radios, je suppose. Je sais pas s'ils produisent des radios ou autre. Ouais, ils ont pas de production de radio, par exemple. Ce qui fait que. Si vous, c'est là. Par exemple, l'infanterie moderne, il y a besoin de radio. On a besoin d'un paquet en plus. Non, pas tant. 2000. Ouais, quand même 2400 radios. C'est pas mal. Par contre, honnêtement, je sais même pas si je vais avoir le temps de faire un débarquement 17 jours. Ok, on a annexé. Hop! Entièrement le neige, ah je sais jamais le sens, c'est terrible ça. Voilà, est-ce qu'on a une partie du high? Tu sais quoi, je vais faire quelques voies ferrées comme ça, il y aura ce qu'il faut pour plus tard, parce qu'après je me retrouve avec ça, avec ces hauts marchés qui sont hein. J'en ai fait en plus. Déconne pas. Oui, d'accord, c'est en cours. Non, inactif, ok. Merde. Chaque fois, je fais l'erreur. Là, je suis en train de me. Échec. Ah oui, non, d'accord, parce qu'elle est tombée entièrement là pour moi. Ça. Je me suis commencé à échec. Alors là, je veux juste voir moi maintenant où est la nouvelle capitale des. De la République britannique. York peut-être? Ouais, York. Ah, ils produisent. Ils ont des bassins. Oui. Ok. Oui, on ira peut-être sur les Anglais encore une fois. Enfin, c'est même pas on ira peut-être, c'est on ira sur les Anglais. On prendrait pas Terre-Neuve. Ça peut être... Et on y
libérerait peut-être la Guyane. Petit territoire là qui est un peu partout, les petites îles là, vous voyez là. Toutes ces petites îles là. Les îles de l'Atlantique Sud. Oh! Plus 1% de capacité de production à la chasse à la baleine. Ok. Voilà. Bon là j'ai ouvert un deuxième front. Peuvent pas faire grand chose les pauvres. Ouais, les deux fronts avancent, ok. Là, il y a juste à finir sur celui-là. Celui-là, il va pousser un peu plus vite vu qu'il rencontre pas de résistance. Après, il conquit pas non plus trop trop vite, hein. En même temps, il y a des montagnes, donc ça accélère pas non plus le processus. Ok, ça a été rapide. Oh, ça c'est cool. Ensuite, alors, est-ce que... janvier 27. Ok, il va falloir attendre un peu. C'est vrai que l'Afghanistan est en deux morceaux. C'est vrai que l'Afghanistan aussi, c'est mon pays fantoche. Donc je peux le conquérir d'entrée. Mais cette fois, on va changer un peu. On va aller récupérer un gros morceau, ça tout. Ah ouais, mais il y a ça aussi. En train de me dire, ah mais il y a le high. Je sais pas. En plein milieu, comme ça, il attend, il se dit, hey, coucou, regarde, je suis là, tu peux venir. Ouais. Ça donne envie. C'est en plein milieu, comme ça. Surtout, ils m'ont mis à l'envers trois fois. Non, deux fois. Bon, conquérir l'État. On va réessayer. Là, en plus, on les entoure, donc on doit forcément prendre ces territoires d'un endroit à un autre. Ça ne devrait pas être un échec. Moi, je l'espère. Parce que ça me, là, je m'énerverais un tout petit peu quand même. Un tout petit légèrement quand même. Pas d'objectif valide. C'est une principauté constitutionnelle. Ok. T'as la petite bourgeoisie, un propriétaire terrien. Ah ouais. Et une petite bourgeoisie. Ok. Qu'est-ce que ça dit ici? Biens gouvernementaux coûteux. Ah, pétrole qui revient cher là d'un coup. Il est passé la barre des 25%. Ouais. Pas ouf. Pas ouf tout ça. Pourtant j'en produis. Hein. D'ailleurs en parlant de ça, est-ce que le charbon est à 0% pile? Yes! C'est vrai que le soufre, je peux pas en refaire plus. On va faire du fer. Ouais. Ah, on a le porte-avions. Okay. C'est vrai qu'il y a les avions, etc. aussi, qu'il faudrait débloquer. 67, oui, 67, 72.
Oula. Ça devrait être bon à faire. Hein. Sécession en Indonésie, ok, m'en fous. Je voulais regarder quelque chose, j'ai oublié. J'y avais pensé, mais j'ai oublié presque instantanément. L'électricité aussi qui est un peu chère. Je produis. Ah oui, c'était ça. Il y avait un truc ici. Voilà, la porte. Ah, mais là, je suis pas d'allume. Voilà. Ça, c'est fait. La question que je me posais aussi. Oui, il me fallait ça dans un premier temps. Je vais faire. Voilà, une centaine de centrales électriques. Voilà. Non. Bah non. Sinon, comment je fais mes conquêtes, moi? Je voulais vérifier si au cas où... Est-ce qu'il y a encore des trucs? Ouais, je peux pas faire ça encore. Je peux pas inventer l'aviation. C'est bête. Il y a encore quelques trucs hein, que j'ai pas. Hop, et on continuera avec. Ça. C'est pas intéressant, mais je suis obligé de le faire pour débloquer ça. Ça sera tout seul. Ok. C'est qu'il y a du pétrole aussi en Tripolitaine. Ça donne envie. Bon, et puis on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. On va voir sur le prochain si on arrive à conquérir Aïe. J'espère qu'il vous aura plu. Ah, c'est pas chez moi ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage, je dis, il va falloir que j'aille chercher les Indes. Allez, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao.